La violence a ce petit quelque chose qui fascine et à la fois terrifie lorsqu'elle est amenée avec élégance et sophistication par un auteur capable de la comprendre et de l'interpréter. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui conçoit son œuvre tout entière autour de la violence de nos actions et de son impact sur le spectateur. Nicolas Winding Refn est un réalisateur d'origine danoise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 12 ans. Il est un de ces auteurs qui a tout de suite fasciné la scène internationale grâce à un cinéma à la fois unique dans sa conception et sa manière, et en même temps terriblement influencé par la production horrifique et de genre italienne, celui-ci parvenant à saisir l'essence même d'une image par le biais de la violence et de l'impact que celle-ci peut avoir sur le spectateur. En seulement quelques années, le réalisateur danois a su s'imposer comme un artiste et un plasticien de l'image animée absolument incontournable et surtout avant-gardiste. Que ce soit par son travail sur l'esthétisme, sur le ressenti acerbe du spectateur ou son imagerie macabre unique, il a su développer une marque de fabrique aujourd'hui reconnue par tous. Il fait partie de ce cercle très fermé de cinéastes qui sont actuellement beaucoup copiés, mais rarement égalés. Et en cela, il est un auteur qui semble avoir réussi à donner au cinéma assez de sens pour que son style puisse en avoir par la suite. Développant l'image animée comme une extension de sa pensée macabre et logique pour autant, Refn a su donner à son cinéma un sens qui va au-delà de simplement montrer une image violente, mais de savoir faire de cette image puissante un regard profond sur l'humanité en perdition, mise face à ses tourments les plus iconiques et les plus macabres. Refn, c'est bien plus qu'un simple cinéaste qui cherche à nouveau un sens à la violence. C'est un auteur qui a su comprendre l'impact de celle-ci sur le spectateur pour savoir l'utiliser par la suite. Refn, c'est un auteur qui se sert de l'image pour traduire une situation ou une métaphore par le biais de la raison iconographique de la violence qui se mêle à cette réflexion. Là où certains ne voient en Nicolas Winding Refn qu'un énième concepteur du test de l'être humain face à une image qui le repousse ou le révulse, Refn voit cette violence comme une expression acerbe et crue de notre incompréhension à regarder avec du recul notre prochain. Là où des cinéastes perdent toute une carrière à comprendre l'impact que la violence peut avoir sur le spectateur ou la détourne, Refn s'en sert au sens premier pour faire réfléchir au spectateur sur le véritable but et la véritable quête qui mènera son héros à devoir faire face à un monde qu'il ne pourra pas forcément arrêter ou raisonner. Soit ces héros sont des enfants coincés dans le corps d'adultes, soit ces personnages se retrouvent dans un monde qu'ils pensent pouvoir contrôler, mais dont ils ignorent finalement les ressorts. Le cinéma devient alors pour ce réalisateur l'expression profonde d'un monde où un coup de poing dans la gueule fait office de raisonnement et de réflexion sur son prochain. Beaucoup de critiques et de détracteurs ne voient en Nicolas Winding Refn qu'un plasticien ne sachant pas donner du sens à son cinéma et cherchant simplement à choquer à outrance le spectateur vers un point de non-retour. Cependant, derrière ces images violentes et macabres parfois difficiles, Refn fait finalement mal là où justement on souhaiterait être rassuré, renvoyant simplement dans la gueule du spectateur l'idée même que si on souhaite arranger les choses par le bien, c'est finalement toujours, ou presque, l'impact du sens incrustant dans le sol qui finit par faire avancer l'homme. Plonger dans le cinéma de Nicolas Winding Refn, c'est regarder la violence de notre monde prendre un sens, comme si le sang qui coulait dans les veines de l'être humain était à la fois source de vie et de mort. Là où la violence prend parfois un sens macabre chez les cinéastes, Refn lui donne un sens plus iconique, comme si de la mort d'un homme naissait la possibilité d'un monde meilleur.